Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Footnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Footnote. Bonjour tout le monde, c'est moi Omer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Télé. Et aujourd'hui on va parler concernant la nouvelle émission, le nouveau jeu qui va être diffusé ce soir sur TF1. Ça s'appelle Le Maître du Jeu. Et oui, TF1 va lancer ce soir une nouvelle émission, un nouveau jeu avec des célébrités. Et ce sera présenté par Laurent Ruquier. Vous connaissez Laurent Ruquier, celui qui a fait les grosses têtes et qui était aussi dans le juré dans Mask Singer. Ah bah du coup, ce sera une nouvelle émission qui va débarquer ce soir sur TF1. Alors c'est quoi le maître du jeu? Apparemment il y a plusieurs célébrités, 12 célébrités je crois. Alors le but de l'émission c'est en fait c'est quelqu'un qui s'appelle le maître du jeu, qu'on connaît pas son identité, un peu comme Masked Singer avec des célébrités cachées derrière le masque. Là c'est juste une personne qui est le maître du jeu tout simplement, et que les célébrités qui vont devenir des enquêteurs, ils doivent trouver c'est quoi l'identité de celui qui cache derrière le maître du jeu quoi. Il y aura aussi un saboteur. Alors le saboteur, il va essayer d'empêcher les candidats et de saboter leurs enquêtes pour essayer de protéger l'identité que le maître du jeu va choisir comme complice. En tout cas, cette émission a l'air plutôt intéressante. Ça fait un peu penser, même si c'est pas vraiment comme les traîtres, ça me fait penser aux traîtres pour quelques raisons. C'est vrai que ça a l'air un peu similaire, même si c'est pas comme les traîtres, mais en gros c'est juste une émission comme ça d'enquête. Il faut essayer de trouver qui est le maître du jeu. Alors du coup, il y aura 3 primes de l'émission, donc celui qui sera diffusé ce soir, la semaine prochaine et vendredi d'après. Donc il y aura 3 soirs, 3 primes proposés par TF1 avec 2 épisodes à chaque prime. Donc du coup, quelles sont les règles du jeu? Les 11 célébrités, je dis bien 11 parce que la 12e c'est un saboteur choisi par le maître du jeu. Les célébrités, les autres, ils doivent essayer d'avoir des indices, essayer d'enquêter pour voir qui s'agit derrière le maître du jeu. Mais il n'y a pas seulement que le maître du jeu qu'on doit savoir c'est qui, il y a aussi le saboteur d'après ce qui est marqué les règles. Donc je suis sur le site WhatsApp à l'heure où je tourne cette vidéo à l'enregistrement vocal, comme ça je peux voir les règles et vous les dire dans cette vidéo. C'est marqué: pour le téléspectateur, notre arche narrative principale c'est l'enquête sur le maître du jeu, l'association entre les indices et les 100 visages. Ça parle également des 100 visages, ça c'est pour parler au-dessus de ça. Alors du coup, dans l'émission il y aura aussi la cérémonie des soupçons, donc chaque candidat devra tour à tour signifier quel est le candidat en qui il a le plus confiance. Donc c'est marqué: le dernier maillon de cette chaîne de confiance sera éliminé. Si un candidat innocent est malencontreusement désigné, le complice usera alors de son pouvoir d'éliminer l'enquêteur de son choix. Donc ils pourront éliminer l'enquêteur qu'ils voudront. Mais après, en échange de ce sacrifice, les candidats qui restent, ils auront accès à un indice qui permet d'éliminer jusqu'à 25 visages dans la salle des 100 visages. Donc c'est la salle que vous voyez dans les bonnes annonces avec plein de visages. Et si la complice est éliminée, il sera remplacé. Donc il y a plusieurs célébrités qui vont participer à l'émission, comme Arnaud Ducret, Valérie Damido, Chantal Latsou et d'autres célébrités. En tout cas, ça pourrait être incroyable. Alors du coup, c'est quoi le rôle de Laurent Ruquier dans l'émission, donc celui qui présente l'émission? C'est marqué sur le site PureMedia Oza.com, qu'il est animateur, comme on peut voir ses citations. À mon avis, pour l'animateur, donc Laurent Ruquier, il va guider les candidats, ou il va un peu parler. Bon, on verra ce soir, après je sais pas plus d'infos sur ça. Mais Laurent Ruquier a imposé une condition à TF1 pour présenter l'émission. Donc vous savez qu'il a été dans les traites, qu'il avait remporté les traites, et après Laurent Ruquier avait rejoint TF1 quand il a été arrivé en tant que jury dans Mask Singer, et maintenant il est à la tête de cette émission. Donc l'émission se déroule au château de Grosset à Montfort-l'Amour, dans les Yvelines, là où il y a un théâtre à l'italienne, une obsélique dans le parc et une salle hollandaise. Il était aussi la propriété d'un ancien producteur d'émissions, Jean-Louis Rémilieu, de président de 2001 à 2004 de l'ancienne chaîne Match TV, ce qui est intéressant à savoir. Mais apparemment, les 5 dernières minutes de l'émission sont pas encore tournées pour éviter de se faire spoiler quand il y a des photos de tournage ou des trucs comme ça. Ils ont voulu essayer de tourner le moment où le maître du jeu a été dévoilé le plus proche de la diffusion de l'émission pour éviter que l'info se fasse dévoiler quoi. Sinon on se ferait spoiler de qui il s'agit. Mais en tout cas voilà, du coup c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos du maître du jeu présenté par Laurent Ruquier ce soir sur TF1. En tout cas je suis impatient de regarder l'émission ce soir sur TF1. Nous allons voir c'est quoi comme émission, ça pourrait être intéressant. En gros c'est juste une émission d'enquête où il faut savoir, il faut deviner qui se cache, qui est le maître du jeu quoi. Il y aura un saboteur comme je l'ai dit qui va tenter d'empêcher les célébrités, les enquêteurs à découvrir c'est quoi l'identité. Mais en tout cas ça pourrait être intéressant, c'est vrai que ça fait penser un peu aux traîtres. Mais après
après, cette émission pourrait être intéressante. Bon voilà, après la semaine dernière, il y avait l'émission 10 sur 10 que j'avais pas fait une vidéo Actu Télé pour en parler. Bah en parlant de l'émission, bah l'émission est plutôt pas mal, ça fait penser un peu... J'avoue que c'est beaucoup similaire quand même au Grand Concours, mais après c'est un truc comme ça. Bon enfin bref, donc rendez-vous ce soir ainsi que vendredi prochain et vendredi d'après puisqu'il y aura 3 primes. Pour l'émission Le Maître du Jeu, ça pourrait être intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va être. On va faire l'enquête et on va savoir qui se cache derrière le maître du jeu et le saboteur aussi. Ça pourrait être intéressant. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo Actu Télé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo Actu Télé, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Bon allez, en tout cas c'est la fin de cette vidéo Actu Télé. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Et aussi avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas, demain c'est le grand retour de la Star Academy sur TF1, donc je ferai une vidéo Actu Télé demain pour parler du grand retour de la Star Academy. C'est vrai que la Star Academy c'est une émission culte. En tout cas rendez-vous demain pour la vidéo Actu Télé parce que je ferai une vidéo Actu Télé pour le retour de la Star Academy pour la nouvelle saison. Allez, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer. À bientôt, ciao.